Bienvenue à toutes et à tous pour les circuits experts du DLC Origin of Pain. Salut tout le monde. Non, ça fait gore ça. Ah, ça fait un peu trop gore, ça fait un peu trop métal. Salut à tous, comme d'habitude, Psychodélique et Cartoon aux commandes, Psychodélique au micro. Et on va vous présenter tout simplement les circuits extrêmes qu'on n'avait pas fait la dernière fois de ce DLC Origin of Pain. Et regarde, on a eu un message, je me demande bien ce que c'est. Il y en a qui vont griller, hein. Madness 33, Cartoon FC avec un petit cœur. C'est mignon. Mais attends, je viens de faire un bisou sur le micro, attends. Ouais. J'espère que ça s'entendra pas trop fort. Si, ça a explosé. À mon avis, ça va être un peu fort. C'est mignon. On vous remercie énormément pour tous vos messages d'amour, vos lettres d'amour. Et franchement, c'est bonheur. Bonheur, 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 bonheur. Bon, j'espère que ça va me donner un peu d'énergie pour finir ce putain de circuit, de dernier circuit. En attendant, c'est parti pour les extrêmes. Sélection surnaturelle. Il y en a que 3, hein. Pas 25. Ah oui, c'est vrai, il y en a que 3. J'ai fait un chier. Alors, est-ce que je prends la gecko? Pour le premier, je sais pas. Je sais jamais. On va voir ce que tu connais le mieux. Ah. Il me semble qu'ils étaient au début un peu moins difficiles que les derniers oui, extrêmes. Oui. Oui, j'ai pas eu énormément de mal à celui-là. C'est juste technique, faut pas. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, tu veux te la péter, c'est ça? Non, non, c'est juste que je veux pas. Voilà, tu veux te la péter. Toi, tu voulais que je tombe comme ça, c'est plus simple. Oui, effectivement, cette vidéo elle va être très très longue. Regarde Nofly qui siffle comme le vent. T'as un Nofly, il s'en va comme un pet de lapin sur une toile satinée. T'as vu, quoi. Nofly, c'est pas une course. Enfin, si. Ah, d'accord, c'est là. J'avais pas eu. Voilà, je l'ai pas passé aussi facilement. Ça, c'est tordu. C'est pas compliqué, mais ça reste tordu. Ouais, faut faire double saut. Faut faire. C'est bon, tu l'as. Non, dommage, pas assez. Nickel. Là, j'aime beaucoup, beaucoup l'ambiance. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Jack l'Éventreur, à Dr. Jekyll et Mr. Hyde. On dirait un peu la cathédrale qu'il y a dans Van Helsing avec Hugh Jackman. Super bon film d'ailleurs. Il a passé un peu inaperçu, mais un film magnifique, magistral. Ah ouais, tu étais comme ça toi. Moi, ouais, j'hésitais à y aller à fond ou pas. Tu crois qu'à fond c'est possible? Regarde, il y a Maxence là qui. Enfin, Mac. Max Naissant. On voit galérer là. Ah oui, on voit. Ah oui, toi aussi, c'est vrai que tu galérais là. Mais c'est pas possible. Yes, c'est bon, tu l'as. Doucement. Ah, dommage. Ah. Je parle pas, je suis concentré avec lui. J'essaie de lui envoyer tous mes fluides, mes cuits, mes. Oh là là, faut. Pas mes cuits, mes chi. Mon chakra? Ouais. Mon chi. Eh, il y en a qu'un qui a trouvé le. Oh bravo! Ah oui, il y en a qu'un qui a vu la référence. Un seul qui a relevé la référence. Je sais pas s'il a mis d'ailleurs le. Si, si, là, il l'a. Allez, t'essayes, vas-y, je suis sûr, ça. Oh, c'est bon. Oh, là, tout. Oh, non. Oh, c'est bon, t'as le checkpoint. Oh, là, j'ai galéré. À pas aller trop vite, trop court, trop doucement. Je sais même plus si je l'ai fini, sérieux. Si, tu veux. Je l'ai fini. Parce que la fin, elle m'a relouté, mais quelque chose de sévère. Ah oui. Ah ouais, faut enchaîner. Ouais. Ce passage, il est salaud. T'auras jamais assez de vitesse, si. Oh bravo. Oh bravo. Ah, c'est bien, Nick. La tête dans la pastèque. Dans c'est la une citrouille. Ah, je crois qu'il faut passer en une fois. Non, c'est bon. Ah, c'est là. Ça m'a relouté ce passage.
Ah non, moi je l'ai passé en... Tu l'as passé crâne? Ouais. Oh, ce passage il m'a relouté. Celui-là. Je suis resté un super longtemps dessus. Ah par contre... Oula. Oula. Oh, cette maîtrise! Ah non, non, te casse pas la gueule. Cette maîtrise... Ah, franchement, bravo, tu l'as passé, mais genre... Moins 4 minutes? Wow. Mais oui, je te dis, j'ai galéré. Ouais. Ah, puis là aussi, j'ai galéré. Par contre, ça penche, faut rapidement monter parce que ça penche vite. Bah alors. T'as vu, ça penche très très vite. Ah ouais. Oh non, je vais pas y galérer là quand même. Ah. Suffit de le dire. Alors là aussi, j'ai galéré. Pourquoi tu. J'arrive pas à me stabiliser sans que la roue avant se lève. Voilà, ça va tranquille. Franchement, moins 6 minutes. Ah bah chute d'ailleurs. Moins 6 minutes. Je crois que je me suis bien battu aussi. Ouais. Je suis passé de 117 essais à 38 essais, forcément. J'étais impressionnant. Ensuite, camisole de force. En fait, j'ai remarqué, je te gagne de la thune, tu pourras te payer limite le dernier. Non, non, c'est abusé. Ils ont mis des objets, ils ont mis surtout des casques en fait. Il y a un super casque de Castle Crasher, je sais pas si tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu, hein. Mais il est bien cher. Et il est bien cher et le dernier casque, il est à 1 million, c'est la tête de l'écureuil. Mais 1 million quoi. Ah oui, j'ai galéré là-dessus. Ah oui, j'ai pris le vélo. Ah ouais? Ouais. Ah, j'avais, tu le passais là. J'avais pris le vélo. Et le vélo était beaucoup plus léger que la moto. Et ça, je l'avais passé en une fois avec le vélo. Comment tu l'as? Ah, dommage. Non. Tu veux prendre le vélo, hein? Ah, c'est bon. Ouais, celle-ci, j'avais fait en vélo. Ah, c'est celle-là. Oh là là, j'ai galéré ici. Ah oui, ce passage. T'es obligé d'enchaîner et sur la barrière. Oh, tu vas le passer. Oh, non, dommage. T'as failli. Allez, courage! Ah! Non. Très jolie ambiance au passage, hein. Un petit côté Joker. Pas le jeu de fruits. Hein. T'imagines les gens? Je suis persuadé qu'ils ont même pas pensé à ça quand tu l'as dit. C'est le jeu de fruits, il est pas vert. Si, oublié longtemps dans le frigo. Oui. Ça me fait penser, une fois, j'ai oublié une crêpe. D'ailleurs, la vidéo est sur ma chaîne YouTube. C'est une des toutes premières vidéos que j'ai uploadées sur ma chaîne. J'ai oublié une crêpe dans le micro-ondes. Et en fait, je m'en suis rendu compte au bout de 3 semaines, parce que on cuisine des vrais plats, on fait pas de la cuisine au micro-ondes. Donc on l'utilise très rarement, le micro-ondes. Et au bout de 3 semaines, j'ai rouvert le micro-ondes, j'ai sursauté ma race. J'ai cru qu'il y avait une bestiole dedans, en fait. La crêpe, il y avait 4 cm de poils dessus. Voilà, ça fait des poils, c'est pas, ça fait réagir d'Arelia. Ah, ça Je dis ça parce qu'elle est portugaise. Hein. Ma petite Choubi. Ma petite Choubi, Choubi. Ouais, c'est le diminutif de Chewbacca. Non, Choubi. Tu sais que Choubi en anglais, ça veut dire moche.
Chewie. Ah, Chewie, c'est Chewie. Un petit Chubby en anglais, ça veut dire moche. Chewie, bah Chubby Checker. Le grand blues jazzman. C'est un gars qui shake et qui moche. C'est un moche mélangé. Chubby Shaker. Alors, est-ce que je vais aussi à me. Ah! Donc, je sais plus qu'est-ce que je parlais. Je sais pas, Chubby. Non, de ma crêpe. Et j'ai sursauté. Et c'était une de mes premières vidéos sur YouTube. D'ailleurs, allez pas hein, dans les profondeurs de ma chaîne YouTube. Vous verrez des trucs pas catholiques. Enfin, quoi que j'en ai effacé plein. J'en ai effacé plein. Quand j'ai commencé à faire des vidéos sur les jeux vidéo, j'ai effacé plein de vidéos. Parce que YouTube, au début, me servait de stock de vidéos personnelles. Hein, films de vacances, des trucs comme ça. Ah, si, mais... j'ai une belle vidéo de la Japan Expo, alors je sais plus si c'était la 2006 ou la 2007, avec Art Gay, un cosplay de Art Gay qui était juste magnifique. Ah ouais. Mythic. Art Gay Fou. Qui était juste magnifique. C'est Art Gay Fou. On idole. Et d'ailleurs, c'est une de mes vidéos les plus vues de toute ma chaîne. Quoi, Art Gay? Ouais. Ah ouais. Tout le monde la cherche, quoi. Alors que toutes les vidéos ultra travaillées et tout, il y a personne qui les voit. Je pense que je te mets une belle fessée. Bah tiens, regarde. Ah bon, les gars. Skrillex, tectonique, tout ça. Tout le monde me parle de Skrillex, je sais pas ce que c'est. C'est ça? La dubstep. Je crois que je t'ai mis une fessée au niveau des essais. Alors, il y a un copain, il m'a dit, tiens, regarde, je te fais écouter de la dubstep. Je dis, c'est quoi de la dubstep? Je fais, non, de la dubstep, tiens, écoute. Je fais, ah, non, c'est bien de la dubstep. J'étais bon sur celle-là, 20 essais, tu vois. Là, ah, bon, j'ai fait 33, mais la première fois, je suis pas du tout techno. Toi, t'es techno. Toi, t'aimes bien quand il y a du boum boum. Ouais, moi j'aime bien quand il y a du boum boum. Moi j'aime pas quand il y a du boum boum. Ça fait danser. Alors, j'aurais peut-être dû essayer avec le. Le vélo. Voilà. Alors, le circuit, on n'a pas réussi. Il est juste somptueux par contre. Vous voyez Alinéa? Le je dessin. Je suis pas sûr. Non, les jeunes, ils connaissent pas ce dessin. Franchement, allez, s'il y en a un qui va me dire, ouais, moi je connais Alinéa. Alors, Alinéa, c'est. Même nous, on est limite trop jeunes pour Alinéa. Je sais pas si tu te rends compte. Hein. Alinéa, c'est un dessin animé. Qui date des années 80. Tiens, bah regarde, t'es sur Wiki, mon cœur. Alinéa. C'est un dessin animé qui date des années 80 et en fait, tout le dessin animé était un seul trait, unique. Et le gars, il donnait des formes à un personnage et il faisait des histoires avec. Et ça se base là-dessus. J'adore. Je suis pas mauvais. J'adore l'ambiance de ce dessin. Moi, ça me rappelle surtout les tout premiers jeux électroniques qu'on avait aussi un peu. Par contre, il n'y a aucun bruit, c'est super chaud. Ouais, il n'y a aucun bruit et bon, ça c'est des pics, hein. On meurt hein, quand on va dessus. Hein. C'est pas que du dessin. Parce que oui, il est chaud ce passage. Ouais. Parce que t'as pas la place pour la moto en fait. Il va être très soporifique ce dernier circuit. Attends. Vroom, 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 Alinéa dessin animé. Alors, non, voilà, c'est celui-là, je le passe. Celui-là, je l'ai passé aussi. Mais après, il y en a un, il est abusé. Surtout, il faut enchaîner les deux, je crois, non? Ou il y a un checkpoint? Mais celui-là, je l'ai passé. Celui-là, je l'ai passé. Ah, du premier coup. Voilà, c'est celui-là. Voilà. C'est bon. Et surtout, je sais pas ce qu'il y a après. Est-ce que tu crois que c'est plus simple en vélo? Non, en vélo, moi, je passe pas la roue avant. Ah d'accord, vraiment. En vélo, je passe pas. Donc, c'est vraiment en moto qu'il faut le faire. C'est faut le choper au dernier moment, quoi. Le souci, c'est que je vois pas. Oh! Il faudra encore que tu sois dans le bon sens, quoi. Bon, je vais vous faire de la musique en attendant. Qu'est-ce que t'as envie que je chante, mon cœur? Ah non, écoute, chante pas la Kiss. Oh, y a des trucs que je chante bien. Je suis un très bon chanteur de Jodassin. Vas-y. Je sais pas, moi. Je suis un très bon chanteur de Jodassin, mais j'en chante pas une. Non, mais comme ça, pris au dépourvu, je suis un peu timide. Alors celle-ci va être dure, franchement. Tu sais que c'est un de mes chanteurs préférés, Jodassin. Enfin, quand j'étais gamin, hein, je te parle pas maintenant. J'avais une cassette audio que j'écoutais en boucle. Je connaissais toutes les par cœur. Toutes les par cœur? Toutes les paroles par cœur. Mon gars, tu veux chanter avec moi? Oh là là, c'est impressionnant. Non. Ils ont même enlevé le. Ils ont même enlevé le bruit de la moto. Ouais, ouais, ouais. Alors celle-ci, je vois pas du tout. Comment les mecs ont fait pour passer ce putain de truc? T'as vu, en fait, ça.
Ma moto, tu vois, surtout pas que je la fasse sauter. Mais le souci, c'est que quand je me mets en arrière, tu vois. Tu sautes trop. En fait, ça me fait marrer parce qu'on dirait que surtout que le mec il a pas payé ses factures pour avoir le son. Hein? Oh! Oh! I get fou! Non! Je suis dingue! T'es obligé d'enchaîner complètement parce que t'as vu, se restabiliser, c'est mort. C'est clair. Et qui est-ce qu'il y a? Il y a des joueurs qui l'ont fini celui-là. Ah oui, bon. Il reste que nous. T'sais, les derniers joueurs. No fly. Tu vas nous faire une petite démonstration d'ailleurs. Si je te trouve, on va regarder ton petit replay. Comme ça, ça te fera une petite dédicace en même temps, au passage. Sur ton skill. Il l'a fini. C'est un truc de taille. Tu crois qu'arriver à 300 essais en... Je crois que j'ai arrêté, j'avais 300. 200 et quelques essais, moi. Chez moi. J'avais mal au pouce. Tu sais, à force de faire gauche-droite. Ah ouais. Tagada. Oh, viens, t'as reconnu direct. Tagada, fraise. Quoi? Tagada, voilà les Dalton. Tagada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Je suis pas sûr qu'ils connaissent les jeunes. Oh, Joe Dassin. C'est celui qui chante « Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, zai, zai. » C'est classique. Des trucs, même en boom, ça sortait plus. tu chantais ça à la veillée, tu sais. Ouais, c'est clair. Mais j'adorais ça quand j'étais gamin. Mais tu sais, j'avais 10 ou 11 ans. Et j'ai pas réécouté Joe Dassin quasiment depuis. Et je connais, il y a des trucs que je reconnais mais encore par cœur. Je fais sauter la moto, moi. Je fais sauter la moto, mais je suis obligé. Donc tu vois, Joe Dassin, je le chante bien. Alors si tu me demandes de chanter du Lady Gaga, c'est mort. J'arrive pas à monter cette putain de côte après. Mais Lady Gaga, déjà t'as un problème de rythme alors. Bah tu vois, Joe Dassin, j'y arrive bien par contre au niveau rythme. Ouais, mais bon, c'est... Rock and roll. Ouais, bon, il peut me dire ça, rock and roll, quand je le passe, le truc. Oups, pardon. C'est un truc. Ça va me coûter, hein. Je crois qu'on va mettre une petite musique en fond, tu sais. Oppa Gangnam Style, là, qui... Oppa Gangnam... Oh, t'as réussi. Tu vas l'avoir. Allez, tu vas l'avoir. Oh. 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 Oppa Gangnam Style. Il est trop fort, Square. 469 millions de vues, j'ai. Mais il a explosé tout le monde, que Lady Gaga peut se rhabiller, elle peut se mettre un steak sur elle, quoi. Ça fera pas des millions de vues. Rihanna, elle peut se faire tabasser, ça lui fera pas des millions de vues non plus. T'es méchant. Attends, je suis méchant. Elle se fait tabasser par Chris Brown. Elle revient avec. Non, comment non, ça s'appelle? Si, Chris Brown. Chris Brown. Elle se fait tabasser, elle fait la une, je le déteste, c'est un gros con, il m'a martyrisé, elle se remet avec. C'est quoi qui lui passe dans la tête? Enfin, à part les coups de poing de Chris Brown, quoi. Mais... Sérieux? Ça me tue, ça. Les nanas qui se mettent avec des gars qui se font taper, je comprends pas. Moudjahidi? Non, pourquoi Moudjahidi? Je sais pas, t'as failli t'as dit ça. Fais Moudjahidi. Chanteur, est-ce qu'ils vont reconnaître? Nye. C'est le coup du lapin. Oh là là. Oh putain, t'étais là-haut. J'ai mis, on s'est arrêté de parler tous les deux quand ça s'est collé. Oh
En fait, on. Pourquoi t'ouvres la bouche? Je sais pas. T'essaies d'aspirer la course ou quoi? Ah, mais je t'aide, j'ouvre la bouche, je me dis ça va augmenter la gravité de la roue avant. Mais la roue avant elle tire pas. Et c'est là que tu dis faudrait qu'elle soit une 4x4, enfin une 2x2. Des motos 4x4, je crois pas que ça existe. Après, des motos 2x2, je crois que ça poserait des problèmes d'adhérence ou je sais pas. Non? Possible, je sais pas. Je... Pourquoi les motos elles sont pas 2x2? Problème de motorisation? Dites-nous les experts, pourquoi les motos ne sont pas en 2x2? Déjà, faudrait qu'il y ait une chaîne sur la roue avant. Ah bah oui, mais non, mais il y a un problème de direction, je pense, parce que la roue avant, elle permet vraiment de diriger. Alors, s'imagine, les tirs, ça risque de faire sous-virer la roue arrière. C'est surtout que si t'as là quelque chose qui... Ah oui, ça doit être pour ça. Allez. Tes souhaits? Pardon. L'orage? Il y a de l'orage. Je suis pas sûr que ça s'entende au micro. Et surtout que là, si je tapote, il y a de fortes chances que... Wow, j'ai eu peur. J'ai eu peur aussi. Voilà, alors j'ai jamais passé ça. Oh putain, j'ai eu peur. Ah, oh, t'as rattrapé le stylo, ça y est. Ça y est, il a plus d'énergie. Il a plus aucune énergie. Et voilà, il t'a 200 essais là-dessus. Ah non. Ouais, oh, d'accord. Là. Oh, puis c'est pas une montée normale. Tu sais, elle fait des en haut et des en bas. Essaie d'économiser le max d'essai. Ah oui, peut-être en vitesse max, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oh, je sais pas du tout s'il faut la passer en une fois. Arrête d'ouvrir la bouche, ça me fait rire. Il fait le poisson rouge devant la télé, quoi. Pousser en arrière, ça aurait été bon, je pense, légèrement. Mais pourquoi t'as freiné? Ah, j'y arrivais pas, t'as avancé. Oh, tout seul les doigts dans le fion. T'as vu? C'est énorme. Comme si j'ai fait c'est ça pas tout... fini, oh putain, ça. Oh. Là, faut arrêter quoi. Le crayon, t'as oublié une partie du décor là, s'il te plaît, il a glitché le décor. Ah, mais il faut. Ouais. Oh. 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 Fini. Oh, c'est beau. Oh, c'est. Ils ont mis passer la tronche. Ah, eh, c'est magnifique. Eh, franchement, là, t'as plus qu'à le refaire chez toi. La galère, 353 essais encore. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Bon, attends. Fais le replay, s'il te plaît. Mais non, no fly, 6 essais, quoi. Vas-y, mets le replay. Arrête. Mets le replay, vas-y. Y'a quelque chose qui va pas chez lui. Y'a un truc qui va pas chez lui, non, c'est sûr. Merde. Reviens, voir Ami. Fais voir Ami. Non, comment t'as fait? Retour. Retour. Voilà. Eh, hey, NoFly, spécial dédicace, hein, on montre un. On va voir ton replay parce que là, 6 essais quand même, c'est monstrueux. Quand même. Alors, je suis sûr que maintenant tu passes tranquille de 350 à 6 essais, à moins de 10. Comment il a fait sur le passage? Il a dû passer du premier coup, alors, du deuxième coup, troisième coup. Il se met en bas, je pense, voilà, ce que je faisais moi. C'est qui reçoit des demandes d'amis? Il fait à cause de tes vidéos, je reçois plein de demandes d'amis. T'as vu, regarde, il tapote. Ouais, il essaie d'avancer avec le frein, ouais. Ah, c'est un pro. Oh, les doigts dans le nez, celui-ci. Hein. Tiens, c'est là. Ah ah! Attends, lui, il s'arrête! Ouais, c'est pas mieux. Bah oui, mais il va pas loin. Oh, cette stabilisation, quoi. Attends, lui, il a réussi à s'arrêter.
Voilà. T'as des pneus antidérapants avec de la super glue dessus, moi je conteste. Objection. Je conteste, parce que dans Phoenix Wright. Objection. Putain, le Onofa il est so dark quand même comme player. Oh, t'as vu là, il est pareil, hein. C'est. C'est pas mal. Ah oui, je me suis dit, alors là, c'est pas du ninja là, faut pas abuser. Bah, où est-ce qu'il. Attends, j'ai limite moins galéré pour non, que mais, pas... N'empêche qu'il a passé les deux trucs les plus durs, il était à 3 essais. Oh, il s'est raté à la con, il peut faire moins d'essais encore. Ouais, je suis sûr qu'il doit s'en vouloir des fois à dire putain. Bah oui, là, il doit se dire oh, putain, je peux le faire en 2 essais, en 1 essai. De toute façon, demain, il sera en 0. Yeah, et en plus, tu finis la roue levée, bravo. Non, bravo à toi, non plus. Ouais. Ok, bon, d'accord. Il y a deux petits jeux qu'on peut faire dans la vidéo. Putain, ma gorge. Deux petits jeux? Ouais, il y a deux petits jeux, regarde. Circuit des jeux d'adresse 2. Ah, je les ai même pas testés, c'est ça. Ah ouais, il y a deux petits jeux. T'as Canon de l'Adrénaline, qui est très sympa. En fait, t'es dans un canon. Mmh. Tu vas sortir en moto. Tu te mets un peu, genre, tu sais, 45 degrés, tu fais Y pour te propulser. Et il faut atterrir sur les cibles. Et en fait, la cible est de plus en plus loin. Donc, et c'est A pour lancer. Voilà, c'est A pour lancer. Voilà. Et voilà. Tu vois, le canon, il te... Vas-y, refais. Refais. Non, mais tu dois sortir de ta moto. Refais. Ah, et après, je dois faire Y. Voilà. Vas-y, là, tu tires quand tu veux. Voilà. Et tu fais Y. Tu fais Y. Enfin, dans un bon sens. Parce que la truc, elle est loin. Mais fais select. Select. Ouais, pour recommencer. Parce qu'en fait, okay. À chaque prise, à chaque manche, la cible est de plus en plus loin. Donc là, en fait, c'est tout à côté. Donc le truc, il va pas tirer fort. Voilà, tu fais Y. Tu vois le truc? Mais non, Y quand t'as le corps qui est là-bas. Voilà, place bien ta moto. Voilà. Tu vois? Et t'as la cible qui est là. Donc tu peux diriger un peu. Bien. Bien. Eh hey. Oh, je suis dessus, hein. Nickel. Et là, la cible, elle est vachement loin. C'est la dernière main. Je prends l'élan. Oui, c'est pas la peine, c'est... Oh là, je suis pas dessus. Ah, t'es très loin, là. Ouais. Donc voilà, c'est un mini-jeu très très sympa. Très sympa. Merde, y'a plus de batterie. Oui, t'as plus de batterie. Alors moi, ce que je trouve bizarre... Je vais parler quand je reviens vers le micro. Lutte vers les hauteurs. Ce que je trouve bizarre, c'est ils ont ajouté une fonction grappin qui pourrait faire plein de mini-jeux, mais ils n'ont pas créé de mini-jeux sur le grappin. Tu vois pas ce que t'appelles le grappin? Bah, faudrait que tu vois la vidéo de Tataf. Grappin. Ta vidéo de Tataf, ça fait apparaître un grappin dans la main. Un vrai grappin. C'est un truc. Ouais. Oui, ils voient pas forcément puisque c'est vocal. Un grappin comme dans Zelda Ocarina of Time. Et ici, il faut que tu ailles. C'est un. J'ai même pas essayé. Ouais. Ah oui, parce que c'est vrai que toi t'es mauvais sur ça, c'est ça. Donc, je essaye. Et puis, tu mets le replay du premier mondial pour voir jusqu'où ça va. Hein, et voir les difficultés qu'il y a. C'est un nouveau escalader la colline, quoi. Tu vois, je vais arrêter là. C'est pas drôle. Ouh, il y a une bombe. Voilà, t'es pas allé plus loin. Ah non, mais. Là, je me suis fait eu. Vas-y, mets le replay. Bah tiens, Nono. Non, mais fais le premier mondial. Comme ça, on voit tout le circuit jusqu'en haut. Bah, par contre, mon score global, c'est sûr. Global. Tiens, 224 mètres. Putain. Oh. Pardon. Il y en a, ils sont surhumains. C'est clair. Bon, lui, c'est un cheater. Tu peux changer, mettre un autre play. Non? Tu crois que c'est un cheater? Ouais, ouais. Ah bah si, regarde les temps. Donc, 1.24, tiens. C'est pas un cheater. Les autres, c'est des cheaters. C'est pas des cheaters. Des cheaters, c'est des gars qui trichent. Mais il fait un 0 combien de fois qu'il fera demi? Bah, il triche, il a trouvé un glitch dans le jeu qui permet de le... Faut qu'il nettoie ça, Trial. Mm. Red Links! Au boulot! Alors, à quoi ça redonne Donc lui, il est pas allé jusqu'en haut, parce que c'est 224 mètres le plus haut. Il est allé quasiment jusqu'en haut. Donc, là, ça va. Là, même toi, tu le fais. Voilà. Il a beaucoup plus d'assurance que toi, quand même, quand il monte des trucs, non? Non, c'est surtout qu'il il a plus d'essence. Oh, c'est un rattrapage. Alors, qui il atterrit toujours aussi sur la warrior. Ah, ouais.
Là, ça, c'est dur. Ah, bravo. Oh, avec la musique, genre la brute, le salaud et le salopard. Non, la brute, le méchant et les truands. Non. Non, le bon, la brute et le bon, la brute et le truand, voilà. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Ça, c'est redur. Et ça, c'est. Oh, ça, c'est très dur. Ah, oh, il se reprend dans la foulée par ça. Oh là là, c'est tombé. Sachant que là, t'as pas le droit à l'erreur, quoi. C'est. Ça, c'est excessivement dur ce qu'il vient de faire, là, le passage sur le roue. Sur la roue. Sur la roue, ça aussi. T'as vu, là, il faut, faut laisser rebondir la roue arrière pour qu'elle passe devant. Wow. Wow. Ah, c'est... Oh, c'est mort. Oh, il saute. Oh, pas mal. Oh, pas mal. Oh, Gundam style. Oh, vache. Mais c'est la verticale. C'est la verticale. Ah, il est tombé. D'accord, c'est là qu'il a fini. C'est un truc qui a l'article à la fin. Putain, la vache. Pas mal, pas mal. Bravo, voilà, le premier, c'est Akritarch. Non, mais non, il est cheater, lui. Alors, cheat... Alors Akritarch, Angridino, Jack Layton, Tropic Buddha, Denis Loca, Ayamelit, quoi. Tropic Buddha. Cheater. Voilà, ABZ Magic, bravo à toi. Voilà. Est-ce que c'est un français? Parce que t'as vu, t'as les t-shirts qui prennent. Ah, tu crois qu'en fonction de... Ah bah oui, c'est peut-être ça, en fonction de la nationalité. Pastaga, oui, ce doit être un Marseillais. De quoi Pastaga? Pastaga Orgat, le 11e. Voilà, c'est un, ça doit être français. D'accord, donc on a fini. Bon bah... Ainsi s'achève cette vidéo sur le DLC Origin of Pain. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a fait rêver, vous a vendu du rêve, toujours en compagnie de Psychodélique et Cartoon Chan. On se... Cartoon Pitch, ouais, t'as changé. Et on se retrouve pour reprendre le cours naturel des choses avec des best of tracks, tous plus fous les uns que les autres. Voilà, du fun, du trial, tout ce qui est bon. Pas de prise de tête, de la détente. Enfin, pour moi, pas pour Cartoon. Mais c'est... voilà, voilà. Bye bye les amis. Salut tout le monde. Et moi, j'ai soigné ma gorge.